Salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode. Alors, on vient de passer le cap des 20 épisodes. Je ne visais même pas les 20 épisodes. Sachez que je visais pile poil la fin du let's play au 20e épisode. Mais j'y suis encore très loin. Enfin, peut-être pas façon de parler. Au niveau de l'histoire, eh bien écoutez, on a plus de missions d'Urki pour l'instant. Mais on a des missions de Mister Rosanier des Isilla. Et du coup, on va aller faire dans cet épisode ce 21e épisode, on va faire donc la mission d'Isilla. Et c'est parti, déjà on va faire sa mission pour que je pense qu'elle doit être intéressante pour ensuite attaquer sa princesse, sa reine si je puis dire. Ça m'étonne même que je ne sois pas au village. Téléporté au village, j'ai été. En reprenant ma sauvegarde, j'ai été replacé où j'étais. Donc bon. Petit bug, j'en sais rien. En tout cas, est-ce que je peux accéder à ça? Ouais, donc là, faut que je fabrique quand même. Hop, ça. Et aller voir notre cher ami. Notre ami. Qui aime pas sa maison, tu sais, qui est vénère contre tout. Lui, il a toujours de la peau pour nous. Peau de chèvre. Ouais, il n'y a plus rien d'autre. Si, si, il a de la peau là. Non, c'est de la viande. Qu'est-ce qu'il y a ici? Poids d'aulne, ouais. Rien de grande importance. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous proposer lui? Ok, donc vous l'avez bien compris, il faut aller détruire le village de ses compagnons. Mission ajoutée au menu de carte, d'accord, c'est pas, ça a pas lancé directement. Et donc ok, bon on va aller partir, allez on va partir vers on va prendre le bûcher qui est... On va prendre le bûcher directement. La petite monture. Ah oui, ça c'est vrai, c'est un putain de lasso. Hop, on va directement aller. Mais non! Allez, c'est parti. Salut les gars! Franchement, je crois que je me suis pas fait des amis là. Cours, 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 cours! Ah, je vais me faire défoncer! Ah, l'ounours là, il va pas nous laisser nous en sortir, mais j'ai plus beaucoup de flèches. Ça va être assez difficile. Allez, allez, allez. On perd pas de temps avec ce nounours. Ramène-toi aux fesses. Putain, il va pas nous lâcher. Ah mais c'est un rhinocéros en plus, c'est même pas... Ah il cherche plus la merde. Bon je vais te guérir. Voilà. De toute façon bah j'ai plus besoin de monter sur ton dos vu que... On est juste à côté. Ça c'est... C'est ça les animaux, c'est... C'est pire que les hommes, ça t'attaque pour un rien et... ils se sentent menacés, ils ont envie de te buter. En même temps, j'ai tué plein de ses frères. Hein. Ils doivent sentir leur odeur sur moi. Allez hop. Ok, on va brûler le camp directement. Okay.
La chance que j'ai eue. Oh, je me suis pas fait repérer encore. Ok. Et qu'est-ce qui a brûlé là? Ok, on va brûler tout ça. Il y a des trucs à brûler là. Ici. Il y a voilà les trucs à brûler. Oh putain, il y a tellement de choses à brûler ici. De mettre le feu un peu partout. Voilà. Et c'est fait. Ok. Ok, on en a une autre là. Elle est par là, je la vois pas par contre. Attends, on va mettre le feu à tout, mais franchement, il y a tout qui prend feu. Mais il me manque une meuf là, j'ai pas sauvé une meuf encore, je sais même pas où elle est. Alors je vois pas du tout où ça pourrait être. C'est déjà pas mal ça. Par contre il y a une Wenja, je sais pas du tout où ils l'ont foutu. Ils ont dû la foutre dans le cul du monde. Dans le cul du trou. Oh non, le trou du cul du monde, pardon. Voilà, j'ai cherché les mots. Et restons respectueux. Voilà, le village, je l'ai brûlé. À force, on va nous appeler le pyromane, tu vois. On va plus nous appeler le. On va plus nous appeler Takar, on va nous appeler le pyromane. Voilà. Ils veulent récupérer leur dû, mais ils vont rien récupérer. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pof! D'accord, bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme quête? Ah, il y en a plus, tiens. Tout d'un coup, il n'y a plus de quête. Ça régénère plus rien plus vite. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, ça c'est sûr que c'est très intéressant. Confection. Transporter 4. Ouais, gourdin, ça pourrait être intéressant. Saké, ouais! On
améliore un peu plus ça. On n'a pas encore appris comment fonctionne les membres. Voilà, j'ai appris. Voilà, ça c'est fait. Ceinture de couteau, on va en transporter un peu plus. Ça, on va vraiment l'améliorer. Donc maintenant, du coup, voilà, j'ai des sortes de gourdins en mode carapuce, tu vois. On a un gourdin bien plus tranchant. Non, mais ça c'est cool. Voilà, on s'améliore. Alors, juste. Voilà. Alors, du coup, il faudra attaquer les terres des Inhommes. On va pas l'attaquer directement dans cette vidéo. Ce serait un peu du suicide et une perte de temps. On va faire une vidéo un peu, peut-être un peu trop longue, comme on a fait pour Hull. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait encore 3 cabanons à augmenter. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve juste après mon farming intensif. A tout de suite. Et nous revoilà pour la suite. J'ai donc fait malade et j'ai donc fait la hutte de Karoche et la hutte de Rossani. Et il manque plus que celle de Da. Et celle de Da, donc j'ai tous les composants. Et on va aller faire la dernière hutte, améliorer la dernière hutte de notre village. On a enfin finalisé notre village à 100%. On va voir s'il n'y a pas une petite récompense, une petite quête, ce serait sympa ça. Allez, on améliore tout ça. Empire immobilier. Ah, on a amélioré la maison de Da, notre cher Udam préféré. Malchazar. Donc j'espère être récompensé à ma juste valeur. Et ouais, il y a bien une quête. Que nous veux-tu, Da? Balhumansim Da Sushalhai Swasar Wana Udan Daguach Tam Malchazar Guanarch Manu Da Latsewa Na Malchazar Jarta Laikwa U Swasar Guan Urus Salwaya. T'inquiète pas. Les sœurs de feu, alors je suppose que ça va être une petite quête assez sympathique à faire. Et bah oui, elle nous envoie dans un lieu tuer les 3 redoutables sœurs Isila. Et bah on va le faire. Et après on finira par la grande méchante de Isila. Je pense qu'on aura fini l'aventure. Il y aura quand même les bébêtes à capturer. Bon, ça c'est autre chose. Allez, c'est parti. Donc c'est là-bas. Bon, j'attends que mon tir me rejoigne. Vas-y, rejoins-moi, Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre. Vamonos. On y va tranquillement. Oh putain. Bon, je crois que j'ai bloqué Jean-Pierre. En tout cas, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est moi où j'entends des voix. Ouais, ouais, je suis pas fou, j'entends bien des voix. J'entends bien des voix, donc on va tout. Allez hop. Putain, ouais, c'est vrai que j'ai entendu une voix comme des esprits qui me parlaient. Et là j'entends plus rien. Bon, je sais pas. Peut-être que je deviens fou. En même temps, vu le nombre de coups de gourdin que j'ai pris sur la tête. Voilà. Vous avez rien vu, vous avez pas vu la petite flèche ratée pour essayer de tuer un tigre. Franchement, ouais, les autres bêtes elles doivent sympa être à capturer. Donc on monte la montagne. Ah putain, elles sont au rond d'une montagne. Bon, j'espère que je me suis pas trompé de chemin et que c'est bien par là. De tous les cas, ouais, je vois la grosse tête de Da là. Donc normalement, j'ai choisi le bon chemin et on y est.
Les sœurs de feu doivent être par là. Pas forcément obligatoirement, mais en parlant de ça, je vais voir ce que je peux confectionner pour finir enfin tout mon stuff. Transporter 20% loin, 20% de grâce animale en plus. Ouais, ça m'intéresse. C'est pas, il me fera des pierres du sud, du sud. Ah ouais, d'accord, pas mal. Pas mal de. J'ai bien fait de regarder ça. Il y a des trucs là, ça c'est sûr. Ok. Ah ok, d'accord. Pour les masques d'Isia, c'est des choses à faire tomber. Ok, pas de soucis. En gros, ok, bah j'ai déjà tout ça. Il faut juste de la poudre du sud et c'est bon. Je pourrais améliorer mes sagas à fond. Ça, ce serait pas mal pour finir le... L'ultime et dernier boss. Allez hop. Rap du sud, c'est parti. On va y aller avec la... On va y aller avec la... Voilà, on va y aller avec la bébête. Ok, c'est bon. J'ai déjà récupéré un trophée. Un trophée de fait déjà. Une sœur abattue. En fait, c'est des sœurs assez faciles. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il a eu d'âge contre les Isila. Sachant qu'il était complètement au nord, est-ce que les Isila seraient quand même venus l'attaquer dans le nord? Petite question. Qu'il faudrait quand même. Ouais, alors ça, ça c'est sûr. Là, je vais alerter tout le monde. Et on va y aller tranquille. Ok, donc ça c'était une sœur. Faut que je récupère le trophée, je me casse. Allez, on se casse. On se casse. Allez hop, c'est parti. Et voilà. On a vengé Da. Il va être content là. Hop. Ok, ça c'est fait. Ça c'est même réussi. Du coup je vais retourner quand même vers la terre ferme. Ouais. J'essaie de récupérer un peu. Je vais fermer vite fait. Voir si déjà je pense que mon village doit avoir encore une quête. Mais du coup je vais me dépêcher assez rapidement de récupérer de l'argile. Vas-y viens là. On y va. On va vite récupérer de l'argile. Rapidement pour finir les sagas. Comme ça ce sera déjà fait. Hop. Donc les pierres du sud, ça c'est bon. Par contre c'est l'argile qu'il m'en faut pas mal. Poudre, c'est de la poudre? Ouais c'est de la poudre, c'est pas de l'argile. Non c'est de la poudre, il m'en faut 20. 20 poudres. Putain c'est... Ça en demande beaucoup quand même. Ah non, faut pas que je reste bloqué. Faut pas du tout que je reste bloqué. En fait, dès qu'on commence à bien connaître comment conduire un dent de sabre, ça devient bien plus pratique. Bon, il sait toujours pas nager. Bon, ça c'est comme les voitures dans Far Cry, hein, ça sait pas nager non plus. Hein. Ça c'est sûr. Il me faut encore de l'argile, il m'en faut encore 5, c'est-à-dire deux petits trucs d'argile. Et je peux retourner à la base. Ouais, parce que j'ai 5 trucs d'argile d'un coup là. Ouais, non, il m'en manque un. Putain, il manque toujours ce 1. Mais ça va là, c'est. Hop là.
C'est parti. On confectionne le saguet. En mode, c'est cool ça. Ah, regardez-moi ce saguet. Franchement, il est cool, non? Putain, regardez-moi ça. Il va faire mal. Elle va l'avoir entre les deux yeux, tu vas voir. Elle va pleurer sa race. Ok, c'est bon. Anyway. On va voir ce que veut Da. Il va peut-être nous remercier au final. On a aussi une quête de... Une quête de Urki le penseur. Et attendez, Urki qui est le penseur est dans notre village. Attends, je veux voir ça. Je veux voir ça. Bon, on va voir quand même Da. Da. Bal. Yao. Dan. Haiwa. Ul. Balar. Nu ul guanta. Tabal Malchasar Mubalasar Kapal Pur. Guardu Marti Bar. Takar. Da. Guan. On a perdu Da. Putain, c'est triste, franchement. Je croyais qu'il allait nous annoncer une bonne nouvelle, qu'il allait être guéri et tout ça, et il meurt. Putain, c'est. Franchement, ça me fait mal au cœur. Franchement, je vous dis pas. Bon, on va voir Yorick. Urki, j'espère que lui il va jamais mourir, franchement. Allez, faut qu'il me donne le sourire, pourquoi là? Avec la mort de Da, putain, ça te démoralise. Ça te démoralise, franchement. Bah, mon poteau. Boudekwala. Darsh. Urki pal who means your white. Urki chaman. Damn shadaha. Manta qua rash tar. Urki winja qua yauga. Sama pai cha that mass. Ah d'accord, il habite au village lui maintenant. Ok, bon bah écoutez, on a recruté Urki, hein. C'est pas mal, même si j'aurais préféré recruter une autre personne. Même si j'aurais préféré vachement recruter une autre personne. Alors... Donc on va voir ce qu'on peut améliorer. Il y a d'autres choses à améliorer, confier d'une dans la haute. Ouais, c'est sûr que c'est mieux. Réduire les dégâts infligés par le feu. Ça, franchement, je crois que ça va nous aider beaucoup. Dans tout ce qui est confection, on va peut-être créer ça, non? Ouais. Ouais, ouais. Pas gros, pas une grande aide. Ceinture de chasseur, transport de piège, une bombe à piquant. Ouais. Ah, je crois que pour cet épisode ça va être voilà, ça va être ça. Donc la mort de Da, l'amélioration de la base quoi, tout entière. Et je pense que demain, demain. Oui, dans le jeu ça va être sûrement demain, je pense. Mais je pense qu'au prochain épisode, elle va mourir. On va enfin enlever Horos de ces easy là et voilà quoi. On va enfin les défoncer leur gueule.
et c'est ce qu'on veut. Donc, rendez-vous au prochain épisode sur les terres d'Isilla. Oh,